Salut à tous, c'est Linkos et bienvenue dans ce 27e épisode de Pokémon Ambre Rouge en Nuzlocke Challenge. Alors la dernière fois, nous avions capturé notamment un Victini, eh oui, mais il n'est pas dans notre équipe, hein. Comme vous avez pu le constater. J'ai préféré faire évoluer Tilton en Altaria et en passant aussi, comment il s'appelle l'autre en Pashmiya, quoi. Je les ai fait évoluer tous les deux et je les ai tous entraînés jusqu'au niveau 40. Cependant, je tiens à préciser une chose. Je vais vous montrer une chose. Vous voyez plus de super bonbons, hein. Jusque-là, vous êtes d'accord. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu tous mes autres super bonbons et j'ai utilisé un code AR pour entraîner mes Pokémon parce que passer 4 heures... à entraîner un Pokémon, enfin non merci quoi. Tilton il a une barre d'XP mais qui est longue quoi à entraîner, mais c'est incroyable. Laissez tomber quoi. J'ai préféré utiliser ça, mais bon tant pis. Au moins nous sommes prêts, c'est parti. Et rien ne m'interdit de faire ça hein, après tout. Donc dans cet épisode nous allons faire l'arène. J'espère que ça va bien se passer, hein. J'ai revendu des pépites, des rappels et tout ça. L'arène est ici. Et je ne sais pas de quel type c'est. Hein. Donc en première position, nous allons mettre la base Mishker. Allez, c'est parti. Ok. Hop là, graine de champion. L'arène de Parmanie est un vrai casse-tête. Max te semblera proche, mais de nombreux pièges le protégeront. Oh, d'accord. Je veux devenir bon en m'entraînant avec Max. Rien de mieux que le feu pour gagner un combat. Ok, c'est de type feu donc. Bon, un Saltamonk. Et un Malos. Allez, c'est parti. Et du coup, Mishker, il sera pas très efficace dans cette arène. Du coup, ceux qui seront utiles seront Coton et Bulama. Et tiens, on va envoyer Coton. Et je vais vous montrer ses attaques. Parce que franchement, Danse Draco, Bélier, Vol Draco Souffle. C'est pas mal. Hein. Allez, on va faire un petit Draco Souffle pour voir. Et qui fait pas mal de dégâts. Ce qui fait plaisir. Et vous aurez remarqué, comme dans Thunder Yellow, j'ai décidé pour Ambre Rouge de continuer en Facecam. Parce que je trouve ça plus convivial. Bon, même si elle bug un petit peu, bon, ça... il faut faire avec, mais bon. Dites-vous qu'il faut... c'est mieux. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux. D'avoir la réaction de la personne. Comment elle réagit face à diverses situations. Donc, voilà. Allez, 1258. Et un fenard. Et on fait vol. Franchement, Coton, je compte sur lui. Hein, parce que franchement, il a une très bonne défense spéciale. Bon, après, le problème, je tiens à préciser aussi. Je dis beaucoup, je tiens à préciser. C'est que, en les entraînant avec les super bonbons, il ne gagne pas de V en fait. Ça, c'est un petit peu problématique, mais bon, c'est le prix à payer pour gagner du temps. Allez, un petit total soin hein, pour pas s'embêter. Une vive attaque, ok. Est-ce que je suis plus rapide? Non, mais enfin, il est plus rapide en faisant vive attaque. Mais normalement, je crois que je suis plus rapide, ouais, vu que j'ai attaqué avant et qu'il me fait en folie. Ah là 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 là. Bon, dans cet épisode, nous ferons uniquement le champion d'arène. Bon, et je sais que je traîne avec cette série, mais bon. J'aime mieux prendre mon temps. Oh là là, sa folie lui inflige des dégâts. Ok. Bon, ça devrait encore passer. Ah là là. Allez, sois pas confus, s'il te plaît. Ah, Coton, Coton, Coton. Heureusement que j'ai racheté quelques super potions. Mais j'ai pas d'hyper potion hein, malheureusement. Et ça, ça fait pas plaisir. Et tu me brûles pas, ça va. Allez, un petit bélier.
Ah, sérieux? Me brûle pas, s'il te plaît. Ah. Ah là 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 là. Bon, écoutez. Il est un petit peu chiant ce combat, hein? Vous en pensez quoi, vous? Un petit combat un petit peu chiant, c'est un peu chiant, c'est vrai. Allez, maintenant je suis plus rapide. Et je te fais un bélier. Voilà. Je ne suis plus confus et plus brûlé. Bon, ça, je perds des dégâts à cause du dommage de recul, hein. Mais bon, on a battu le saltimbanque, le premier. Et ça a l'air d'être des combats duo après. Pourquoi pas, hein. Et on va continuer avec Coton et Boulama. Alors, du coup, Coton. Hop, et Boulama. Et en plus avec Surf, ça c'est pas mal du tout, hein, vu que Coton il résiste bien. Mais est-ce que ça sera un combat duo? Ah non, 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 c'est solo, mais on enchaîne les combats en fait. Donc voilà. Ouh, Arcanin! Ah ouais! Il rigole pas, hein. Alors, est-ce qu'un petit Dracosouffle, ça fait des dégâts? On va voir. On va voir, on va voir. Hein. Ça va, c'est passable. Hurlement. Si tu veux, bah je vais faire bluff. Bah ouais, comme ça, voilà. Ah, il a la trouille. Un petit cogne. Et ça devrait passer. Et de 1. Et de 2. Voilà. Et Coton gagne de l'expérience. Tout comme Sac à Pépé. Et on enchaîne le combat. Nos fameux pièges sont sympas, non? Ça t'énerve? Ouais, mais c'est pas les, ce sont pas les interrogations comme un cramoisi. Ah, Darumarund, Pokémon de la 5G. Intéressant. On va faire Danse Draco, allez. On va se booster. Allez, comme ça sera pas mal du tout ce qu'on fera. Vol. Envole-toi. Mania. Ouh. Faut pas rater nos vols, hein. Yes, allez, ça gère, ça. Oh, 1107, d'accord. Carrément. Et il envoie un Flamoutant. On va continuer avec Coton. Vu qu'on a placé un Danse Draco, autant continuer et ne pas profiter. Enfin, et ne pas perdre notre profitation ou profitage, est-ce que ça se dit? Ah, on l'a pas mis KO, tiens. Ah, me brûle pas. Ok, Dracosouffle, avec ton amnésie, ça va pas te servir des masses. Et voilà, le saltimbanque file, on l'a eu. Ok, on continue. Super potion. Coton. J'espère que le combat d'arène sera assez sain, mais je le redoute un petit peu. Ah, je le redoute un petit peu, vous savez. Je ne suis pas rassuré du tout. Parce que je me demande si c'est assez. Hein. Parce que le champion précédent, il était au niveau 35 et là, il va être sûrement au niveau 40. Oh! Allez, 4 Pokémon feu, Kaninos, c'est parti. Il baisse mon attaque, mais c'est pas grave. Surf, bah le mettre en KO à mon avis, hein. Parce que bon, même s'il a pas une énorme attaque spéciale, il y a la différence de niveau et donc voilà. Et puis bon, c'est stabé, Surf c'est puissant et c'est très efficace. Non, c'est plutôt super efficace et non très efficace, comme c'est dit dans la 1G. Le texte dit c'est très efficace au lieu de c'est super efficace. À l'époque, c'est comme ça.
Disons que le langage dans la 1G, en fait, elle est assez familière. Mais c'est pas plus mal parce que j'ai remarqué qu'en fait, les jeux de l'époque sont beaucoup plus familiers. Mais maintenant, il y a des restrictions. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, c'est dommage. Bon, c'est bien, on va dire, pour les jeunes, le jeune public, mais pour ceux qui ont été habitués à connaître les premiers jeux qui ont de l'humour, tout ça, vous savez, ces jeux qui nous font vibrer et qui nous font sourire aussi quand on les voit. Bah, après, là, ça a un goût un peu moindre, disons. Donc voilà. Alors, Chimp en feu. On enchaîne avec Boulama, qu'on va monter au niveau 41. Oh, bluff. J'ai la trouille, mais je fais semblant d'avoir la trouille, bien sûr. C'est tout à fait logique. Oh là là. Et allez, c'est le niveau 41. Alors, Pyroli. Surf aussi. Ok, il m'a fait quoi, Flamèche? Oh, il m'a brûlé, sérieux. Ok, on continue. Super efficace, yes! Allez, 1441. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. What? What? Qu'est-ce que c'est de ça? D'accord. Bon, on va se soigner, même s'il y a encore des dresseurs après. Bon, je vais pas faire de coupure. J'ai pas envie. De toute façon, ça sera pas vraiment un épisode long. Enfin, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Peut-être quand même, ça sera un épisode normal. On verra. On verra, de toute façon. On s'en fout de la durée au pire. Tant que vous prenez du plaisir à regarder cette série, ça m'importe peu. On va envoyer... Ah, sac à PV! Attendez, il a isogresse ce machin. Ah ouais, contre les attaques feu. C'est comme si c'était... Ce n'est pas très efficace. Yes. Alors ici. Ok, d'accord. Et ici. What? Ah, d'accord. C'est Max. De la team Magma. Mm-hmm. Oula. Bon, on continue. Crois-tu pouvoir me battre? Ah ah, voyons ta technique. Elle est étonnante, cette arène, quand même. Allez, oh, chimpant feu à nouveau, bon. Allez, fais-moi une attaque feu. On va rire. Je vais te faire bluff, mais ça ne fonctionne pas. Enfin, l'attaque va fonctionner. Vu que cette attaque fonctionne uniquement si on rentre dans le terrain, en fait. Et là, on va faire cogne. Mais il attaque avant. Mais ça va pas faire beaucoup de dégâts. Normalement. Et 1033, yes. Un magma. Allez, ça me fait pas peur. On est des fous. Attendez, mais ça serait... ah ouais, mais non. Non. Je confonds avec cran. En fait, je me demandais s'il m'empoisonnait ou brûlait. Ça aurait été pas mal, mais bon. Ouf, il m'a pas empoisonné, ça va. Corps perdu, kill le mécao, yes. Et mais qui me brûle. quoi, tu m'as trompé? Trompé? Ah, trompé, genre... je t'ai dit dans ton oreille de jongleur. Je vais perdre. Mais non, je n'ai pas perdu. On va envoyer Pokémine. Non, Shadouda plutôt. Allez, on va... Faut qu'on le voit au combat. Pour voir. Alors, par contre... pour aller au champion d'arène... il va falloir m'expliquer.
Oh là 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 là. Bon, écoutez, on va se soigner et je fais une petite coupure. Bon, nous y voici. Allez. Ah mais ça bug. Du coup, si on va là, ok, ça fait rien. Si on va là, ok. Le truc, c'est d'aller là. Non. Ah là 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 là. Ouh, ça devient chaud là. Ici. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis. Mais ça va être chaud, hein. Très très chaud. J'ai des anti-brûles. Allez. Ah, mais attendez, par contre, est-ce que j'ai pas des objets à équiper par hasard? Je vais regarder. Parce que ça, lunettes noires. Il faut que j'équipe ça à Pokémine, par exemple. Ah ouais. Ça serait pas mal. Ah ça, par contre. On est des fous. Ah là là, j'ai peur. On est des fous. On verra selon la situation. Allez, c'est parti. Wahaha, tu oses me défier, moi, le grand leader de la team Magma. Par le feu de l'enfer, je vais t'exterminer. Prépare-toi à affronter mes terribles Pokémon de feu. Tes terribles Pokémon de feu, tu dis? C'est parti, mon coco. À flamme noire. Niveau 40. Ok. Eh bien, c'est parti. Premier dans ce Draco. Vas-y. Arrête-moi. Canicule. Tu vas me faire 42 de dégâts? Ou le coup critique, qui ne fait pas plaisir. Mais je ne suis pas brûlé. Je suis chaud. Je vais tous te les one shot. Ah, j'aime un peu moins ça. Ou que j'aime moins. Waouh. Alors lui, il veut faire son relou, hein? C'est ça? Ok. Non mais d'accord. Alors, total soin. Canicule. Ok, pas de coup critique cette fois-ci. Ah, c'est moins facile sans coup critique, hein? Eh oui. C'est la dure loi. Canicule. Par contre, me brûle pas, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Ça a très peu de chances de brûler, canicule, genre 10%. Toxique, ok. Toxicoman va. Allez, c'est pas grave, total soin, encore une fois. Canicule. Voyons voir. Ça va. Je crois que c'est parti pour spammer les vols. Allez. Et ne rate surtout pas. Oh. Ah, c'est moyen, c'est moyen, c'est moyen. Il a quoi? Une baie citrus. Je tente le tout pour le tout et je fais un danse Draco. Allez, comme ça, mon attaque, elle est multipliée par 2,5. Et ainsi, de 65 d'attaque, je crois à peu près, on passe à 130. J'ai la flemme de calculer, mais ça doit être dans les vers 165, 170, un truc comme ça. Du coup, bah c'est pas trop mal, hein, je crois. Je crois que c'est pas trop mal, hein. Moi aussi. Enfin voilà. Allez, tu me brûles pas. Et yes! Oh, ça gère. Tu vas voir, je vais tous te les
Oh, ça rate. Alors ça, c'est bon. Ne rate pas vol, Altaria. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Non! Oh là 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 là. Oh. Oh non! On était bien là. Et il a fallu qu'il gâche tout avec ça. Canicule, bon. Ah là là. Bon, vol. Rate pas cette fois-ci. Toxique. Ok, c'est bon, ça passe. Ok, premier Pokémon. Enfin, de KO. Le second, Darumacho. Bélier. Vol, je veux dire. J'aime pas trop ça. Rate pas, rate pas, rate pas, rate pas, hein, surtout. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qu'il me fait? Bécitrus. Tu le mets KO, hein? Ah, tu le mets KO, hein? C'est bon. Oh, yes! Niveau 42. Waouh. Ah ouais. Il y a du niveau là. Oh, qu'il y a du niveau. Ça va. Ça va, ça va, ça va. On peut se permettre une super potion. J'espère qu'il ne nous cache pas une autre attaque pour nous achever en fait. Tonnerre. Ça va pas me faire énormément. Quand même. Mais ça va. Ça me fait un tout petit peu plus que Psycho vu que c'est un tout petit peu plus puissant. Psycho, vas-y. Ok, ça me baisse pas. Ma défense spéciale, c'est le principal. Oh, coton. Tu gères! Oh, mais c'est excellent. C'est excellent. C'est moins excellent, ça. Oula. Alors, attendez là. Est-ce que je le mets KO avec... Alors attendez. Ah j'ai peur. Ah j'ai peur. Oh là là. T'as intérêt à le mettre KO. Mais le KO. Tu le mets KO, hein. Tu l'attaques. Mais le KO. Oui. Oh là 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 là. Et le dernier. Waouh, Simiabraz. Vol. Et c'est fini. Boutefeu. Waouh. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini et c'est fini. Notre cinquième badge est en poche, les amis. Niveau 43 pour Coton, quoi. Et vous avez battu Champion Max. Tu as prouvé ta valeur. Ouvre ta main car voici le badge âme. Yes, allez. Le badge âme fera monter la défense de tes Pokémon. Il te permettra aussi d'utiliser Surf hors des combats. Ça, c'est stylé. La CT50. Ah, c'est surchauffe ça. Surchauffe. Cette technique du feu est surpuissante. Ah, là là. Ah, je suis soulagé. Pas imaginer comment je le suis. Du coup, surchauffe. Personne ne peut l'apprendre, mais c'est pas très grave. On va retirer l'objet de Boulama, hein, le bandeau choix. Et donc, voilà, on peut sortir d'ici. Hein. Et hop. Eh bien, cette arène est un succès. Ah. Ah, ça fait plaisir. Heureusement que j'avais Danse Draco. Hein.
Et le pire, c'est que en le faisant monter de niveau pendant en off Altaria, c'est qu'il a appris Danse Draco niveau 40. Sinon, je l'aurais pas fait monter au niveau plus de 40 quoi. Et ça tombe, il aurait pas appris. Et, ça aurait été beaucoup plus difficile, à moins d'un roulade bien placé. Mais bon, voilà quoi. Eh bien, en tout cas, j'espère que ce 27e épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, et on se retrouvera pour le 28e épisode. Allez, bye tout le monde!